Denis là. Mets ta main sur le trou, pardon. Denis là. Allez, Denis là. Denis là. Sors le nom de Jésus. Toi, la reine du ciel, je maudis ta race. Toi, la reine du ciel, je maudis tes œuvres. Non, comment Jésus. Tu rentres dans sa vie? C'est toi la reine du ciel. C'est toi la reine du ciel, le démon qui régit le système catholique. Par le nom de Jésus. Denis là, au nom de Jésus, sois fortifié ma vie. C'est toi la reine du ciel. Par le nom de Jésus. C'est toi la reine du ciel. C'est toi la reine du ciel. Ouvre ta bouche et parle, dis-moi. Parle. C'est toi la reine du ciel. C'est toi la reine du ciel. Je me repens par vous, pendant que Dieu est en vous. Qui es-tu dans sa vie au nom de Jésus? C'est toi la reine du ciel. Feu. Par le nom de Jésus. Retire les anneaux que tu as mis à ses doigts. J'entends au nom de Jésus. Retire les anneaux que tu as mis à ses doigts. C'est toi qui la pousse à l'impudicité. C'est toi qui la pousse à aller d'homme à l'homme. C'est toi qui la pousse à se déboucher, à se prostituer. Par le nom de Jésus. Je saisis les pieds du grand carnage. Et je te taille aux pièces. Taille aux pièces. Taille. 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 Comment tu rentres dans sa vie? Je déchire les vêtements de Jésus. 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 Je déchire les vêtements de la religion. Je maudis tes œuvres. Je maudis ta race. Tous les enfants que tu as eu avec elle. Je saisis les pieds flamboyantes. Et je laisse les danges, je mets le feu dans ton sanctuaire. Je mets le feu dans ton sanctuaire. Feu, 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 vomis l'idolâtrie dans le nom de Jésus. Viens sur quelque part. Dépêche-toi. Non, mon fils, tu as gâté vidéo là. Non, tu ne peux pas faire ça. Nous prophétisons à partir de son nombril. Nous prophétisons à partir de son nombril. Que c'est une femme bénie. Nous prophétisons qu'elle se marie. Allez, vomis tes semences au nom de Jésus. Nous prophétisons à partir de son nombril, à partir du cordon ombilical, nous prophétisons qu'elle se marie. C'est une femme stable. Elle a la crainte de Dieu. C'est une femme de prière. C'est une femme d'intercession qui se lève de bonne heure et qui prie pour sa famille, pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu et pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Nous prophétisons qu'elle est bénie. Elle se marie et son homme a la crainte de Dieu. Il sert Dieu avec zèle et empressement. Nous prophétisons que ses mains sont bénies. Tout ce que ses mains touchent prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Nous prophétisons qu'elle éduque ses enfants conformément à la sainte doctrine. Nous prophétisons sur sa vie que c'est une femme de dignité, de haut rang. C'est une femme respectable et elle est un modèle pour plusieurs. Nous prophétisons sur sa vie que le don de chant que le Seigneur lui a donné, ce n'est plus pour chanter pour la reine du ciel, ce n'est plus pour chanter pour des démons, mais c'est pour chanter pour le Dieu invisible dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Nous prophétisons dans sa vie qu'elle est un modèle pour plusieurs. Et lorsqu'elle chante à le nom du Seigneur Jésus-Christ, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent et sourds comme des cerfs. Nous prophétisons dans sa vie que le talent de chant que le Seigneur lui a donné n'est plus utilisé pour rendre un culte à la reine du ciel, mais pour rendre un culte au véritable Dieu dans le nom Yahushua Mashiach. Nous prophétisons sur sa vie la bénédiction, le bonheur, la paix et la joie. Tout ce que ses mains touchent prospère. Nous prophétisons qu'elle réussit dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur l'appelle. Nous prophétisons sur sa vie que le malheur et la confusion ne soient plus son partage. Nous prophétisons que la prostitution, la débauche ne sont plus son partage.
Et le sang de Jésus la restaure. Le sang de Jésus la restaure. Depuis la frontalelle. Je mets le doigt là sur la frontalelle. Je déclare au nom de Jésus. Que le sang de Jésus la restaure par ce contact. Depuis la frontalelle jusqu'à la plante des pieds. Le sang de Jésus la restaure. Le sang de Jésus la restaure. Le sang de Jésus la restaure. Il lui donne de l'intelligence. Elle avait l'intelligence du zèle de servir l'Éternel. C'est une femme remplie d'intelligence. Elle demeure chaste jusqu'à ce qu'on la marie. Elle ne se débauche plus. Elle ne se prostitue plus. Car Dieu demande dans sa parole, selon le livre de 1 Corinthiens 3, au verset 1 Corinthiens 16, au verset 18, de fuir l'impudicité. 1 Corinthiens 6, pardon, verset 18, de fuir l'impudicité. Seigneur, tu la restaures. Tu restaures ses dons et ses talents. Tous ces dons et ces talents que l'ennemi avait volés. J'ordonne que la gloire de l'Éternel va chercher tous ces dons et ces talents et les restitue. Tout ce que l'ennemi t'a volé, le Seigneur te les restitue. Le Seigneur te restitue ta grâce, ta stabilité, ta paix, tes dons, ton don de vision, ton don de chant. Le Seigneur restaure ta fortune, ton intelligence, ta sagesse et même l'intelligence de tes enfants. Tes enfants sont stables, concentrés sur l'œuvre de Dieu. Et à l'école, ils sont parmi les meilleurs de leur classe. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Dans les mains, c'est pas fini. Pendant qu'on prie, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as senti?